Just one over 397 of all of us, let me give you some. Attention à la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Bon, c'est le bordel à Bordeaux là. Et sur 73-51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, ben comme à chaque fois à 7h06, le caca. Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Et il est où la belette? Il est pas là ce matin? Oh, il doit être en cuisson quelque part sur un autre canal. Et 73, la station, là, je l'ai, de la part de Dandy 33, je ne l'ai pas entendu encore. Il est peut-être en cuisson quelque part. Salut Dandy, je suis le collègue, là, la belette. Je sais qu'il était sur, comment ça s'appelle, il devait aller à Bahias, en bas, là-bas, où il va d'habitude. Et après, il remontait, et je crois qu'il allait sur Créon. Il doit toujours être en bas, là-bas. D'accord.
Il a dû se trouver, une petite copine par là-bas, là, qui est, pour le coup, qui le garde coincé, quoi. Ah, chie, chie. Crois-moi avec sa grande pompe qui va y arriver. Non, c'est pour ça que je dis ça. Ok, tu te trouves où, là? Eh bien, j'arrive, là, je suis sur la rocade, j'arrive à la hauteur de Bruges, Blanquefort, sortie 6. Je suis juste derrière toi, je suis en bas du pont d'Aquitaine. Ok, d'accord, putain, la vache, bordel. En plus, là, je dois être à 8h30, là, à Mérignac, là, en stage. Ah ouais, bon, ben, écoute, je pense que tu vas pouvoir y être. Ah ben, j'ai plutôt intérêt, hein. Ah, ça va être peut-être un peu juste, mais bon. Ouais, il y a des chances, mais là, de toute façon, j'ai pas le choix. En plus, là, c'est sur les transports de produits chimiques, trucs comme ça. Reconnaître les codes et tout, là, les plaques là, qu'il y a sur les camions, tout, par rapport à certains sites où je vais. Oui, ben écoute, bon, faut arriver à les assimiler, et puis après, quand tu les as, bon, regarde, moi, j'ai toujours mon bouquin avec moi parce que. J'en fais, hein, je suis du dangereux, mais des fois on se rappelle pas de tout. Tu m'étonnes, non mais là moi je vais faire pareil aussi. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je disais à ma femme hier. De toute façon, le bouquin ou la plaquette, je sais pas ce qu'on va nous donner. C'est sûr que je vais le garder avec moi. Hein. Oui, ben ça sera mieux. Sinon, bon, après, c'est vrai que c'est un peu du. C'est pas, enfin, pas dire du courage. Enfin, si, du courage de crâne, parce qu'il faut assimiler tout ça en un laps de temps assez court. Donc c'est pas toujours évident. Puis on n'a pas les mêmes réactions en vieillissant que d'esprit que quand on est jeune. Donc c'est un peu plus raide, c'est un peu raide, ouais. Oui, quoique chez moi ça change pas grand chose entre quand j'étais jeune et maintenant. Étant gamin, j'étais plutôt celui qu'on mettait dans le fond de la classe. Ah, chie trois coups. Et en plus là, ouais, on doit tout assimiler là en 4 heures de temps. Hein. Ça dure 5 jours maintenant. Et après, à la fin, on passe un examen. Et avant, l'examen, c'était tous les 5 jours, c'était le formateur qui faisait un papier comme ça, t'as réussi. Alors maintenant, ça va, c'est tout le compte, et ça me dit là, ça monte à Paris. À Paris? Ah putain la vache! Non, là, c'est en 4 heures de temps, plus l'examen final. Pour valider les... Attends, j'entends les pompiers. Non, c'est bon, il est passé. Ouais, plus examen final là, pour confirmer les acquis, on va dire. Mais en ce qui me concerne, c'est pour être en règle vis-à-vis aux différents sites où je vais, quoi. Oui, mais je comprends bien, oui. Bah écoute, vaut mieux, comme ça, tu seras à même de réagir. De savoir ce qui se passe à peu près, et puis ben, si ça va pas, ben, tu cours vite. Hein. Oui, comme tu dis, ouais, c'est surtout pour en cas de problème, et à même de pouvoir décrire le produit. Voilà, et par rapport à ça, ben, l'intervention peut se faire de telle ou telle façon là derrière. Oui, comme ça, tu peux donner des informations de toi et donner. Oui, voilà, oui, de toute façon on est des intermédiaires. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce genre de truc, la première règle, oui, comme tu dis tout à l'heure, courir vite. Si c'est possible de protéger les autres. Hein. Ouais, c'est ça. Puisque, attends, j'entends, putain, j'espère qu'il n'y a pas eu un accident en plus dans mon sens. Ah non, ça va, c'est dans l'autre sens. C'est bon, parce que alors là, pour le coup, j'étais mal. Oui. Voilà, je suis dans le... J'arrive dans le virage, là, de la clinique Jean Vidard. Ok. Moi, je suis derrière le sens. Ouais, ben c'est un peu caca hein, dans ce sens-là. Putain la vache.
Ah, j'étais pas habitué à venir à cette heure-ci, mais pourtant je suis parti à 6h30 hein, du cuir. Hein. 6h30, là il est 8h, bah, je suis toujours pas rendu. Ouais, super. Juste pour faire quoi? Eh bien, allez, en gros, on va dire ouais, 60 km à peu près là. C'est. Ouais, mais c'est que effectivement le fait d'habiter à 50 km de Bordeaux n'est pas un choix en soi. Quoi. C'est on a fait construire et pour que ça passe au niveau crédit, ben, y a pas eu le choix. Au départ, on voulait être à quoi? À 20 km. Mais quand on voit qu'à 20 km de Bordeaux, il y a 11 ans de ça, déjà, on voyait les prix des terrains à 200 et quelques mille euros. Si, attends, il y en a, ils ont fumé la moquette. Hein. Là, pour le coup, tu mets une toile de tente dessus et puis basta. Quoi. Là, en atterrissant à 50 km, on a quand même pu passer. Quoi. Alors aujourd'hui, je t'en parle même pas. Quoi. Là, pour le coup, si je voudrais refaire construire aujourd'hui, je suis persuadé qu'il faudrait que j'aille bien à 70 km de Bordeaux. Ah oui, facile. Ouais, ben écoute, moi, regarde, j'ai toujours vécu là-bas. Moi, je suis sur Blaye, là, on est dans la zone de Blaye. Mais c'est pas mal, parce que je suis un peu plus tranquille, quoi. Alors, c'est vrai que pour refaire un boucher, ça faut. Ouais, enfin Blaye, ça doit commencer à être cher, je pense, de ce côté-là. Hein. Là, moi, je suis à côté de Castillon-la-Bataille, donc plein est. C'est vrai que là, on a quand même vu des choses se dégrader au niveau de circulation, puisque là, sur la Nationale 89, avant, à cette heure-ci, ou enfin même un peu plus tôt, les bouchons, on les voyait que dans le dernier tronçon là, qui limitait à 90. Là, d'après ce que j'ai vu, là, ça commence à bouchonner sévère depuis le petit village La Poste. Donc, ouais, ça se dégrade. Hein. Bah, le problème du côté transport, c'est que les patrons prennent des étrangers ou alors délocalisent là-bas à l'étranger, du côté des pays de l'Est. Alors du coup, la France est devenue trop chère à tout niveau, quoi. Et les patrons se compensent comme ça, et c'est la merde. Ah oui, c'est au fait, non, c'est bon, c'est pas encore pour moi. Non, mais c'est sûr que là, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus de ça, on est un pays où, au niveau des gouvernements, ils font strictement rien pour retenir les entreprises en France. C'est vous voulez partir, ben allez-y. Et non, c'est pas bon comme principe. Ben oui, tout à fait. Regarde la sidérurgie, ce que t'es textile. Bon, évidemment, ben il n'y a plus rien. Ben oui, voilà. Puis en plus de ça, parmi les routiers étrangers qui viennent chez nous, Il y a tous ces petits camions là, 3,5 tonnes, qui font bien chier. Quoi. Là, pour le coup, tu les vois à 5-6 à la queue leu-leu, ils peuvent rouler H24, il n'y a aucun contrôle là-dessus. C'est, ça aussi, ça tue pas mal le boulot de votre côté. Quoi. Oui, c'est vrai aussi, ça devient de pire en pire d'ailleurs. Ça. Ben bien sûr. Et je vois même certaines boîtes françaises le faire aussi. Hein. Parce que j'ai vu des camions immatriculés en France complètement anonymes. Je me suis dit, tiens donc. Bon, en principe, les trucs de livraison rapide, on les repère vite. Hein. Bon, ils sont identifiés sur leur véhicule.
Et j'en ai vu qui étaient complètement anonymes, roulés comme ça, plusieurs les uns derrière les autres, avec plaque française. Là, j'étais un petit peu surpris. Enfin bon, je sais pas où ça va tout ça là pour vous autres sur la route, mais c'est vrai que bon, on va rester positif hein, quand même. Hein. Hachi. Oui, mais bon, comment dire, il y a quand même des choses qui sont très importantes, Ouais, c'est sûr. Il y avait beaucoup plus de petites boîtes avant. Elles ont toutes été bouffées par les grosses. Hein. Mais bon, qui dit grosse boîte ne veut pas dire non plus que c'est mieux pour les employés, loin de là. Oui, mais t'as des grosses boîtes qui sont bouffées par des boîtes à quantité plus grosses. Bon, nous, chez nous, c'est assez gros. Pour le moment, ça va. Ouais, enfin bon, tant que ça tient. Après, bon, si ça peut te, en ce qui te concerne, te tenir jusqu'à la retraite, après, bon, c'est le problème des autres. Hein. Hachi. Voilà, si ça peut tenir 4 ans, on verra. Dans 4 ans déjà? Putain, oui, ben, c'est pas compliqué. S'il pousse la retraite, ou si la retraite est à 67, je sais plus, ben, j'ai encore 12 ans à faire. Hein. Normalement, je pourrais arriver à 60. Ouais, enfin bon, je préfère tabler sur la retraite à 65-67 ans. Comme ça, au moins, si elle est plus tôt, je ne serai pas déçu. Hachi. Putain la vache, là je viens de passer dans une zone. Enfin moi j'ai à peu près tout compris. Je suis en train de pas. Là je suis dans la ligne droite avec le radar. Là de ce côté là j'ai un petit peu mal à te sortir, mais bon c'est bon, je t'ai quand même compris. Ouais, mais voilà. Ah, t'es sorti de la rocade? Ben non, pas moi, pas encore. J'attends d'arriver à c'est quoi déjà, Buffalo Grill. Voilà, je sors là et puis là je serai plus très loin quoi. Bon, depuis tout à l'heure qu'on papote, on n'a pas entendu la belette se signaler. C'est donc il est vraiment pas sur la région. Voilà, il est là-bas. Et voilà, j'arrive à la sortie Le Verdon. Là, je viens de. Qu'est-ce que c'est que cette connerie quoi. J'étais à 5, je suis passé à la hauteur du radar à 50 km et je l'ai vu là sur ma droite, là flasher. Quoi. Sur la vitre de droite, je l'ai aperçu flasher le con. Ah ouais, ça arrive, moi. Ouais, non, mais là où il a flashé, de toute façon, ça peut pas être moi. Ah bah là c'est clair vu comme ça. Là, j'ai vu le flash apparaître sur ma vitre droite. Donc non c'est pas moi. Ouais parce que t'avais une mauvaise humeur. Putain tu m'étonnes. C'est comme ça que d'un seul coup on voit des fois des radars flambés quoi. Et puis, c'est assez bien que ça, on a tout le temps.
Ok, la bonne journée à toi, bon pro. Et à la prochaine, je sais pas quand, parce qu'au niveau planning, moi c'est du grand n'importe quoi. Après le restant de la semaine, il me semble que je reviens pas sur Bordeaux. Alors comme ça c'est réglé, je dois être en journée ailleurs. Ah tiens, il y a après le radar fixe, tu as l'autre qui est là sur le mobile, là qui est sur la droite. Hein. Celui-là qui est dans un bloc, là, un blocos. voilà. Ok, bonne journée à toi, bye bye. Attention la belette pour Dundee 33 qui t'appelle. Oh putain, je suis en plein dans les QRM de Mérignac, j'ai attendu ta grande gueule dans le lointain, mais j'ai rien compris. Attends, faut que je me sorte du... Je vais rattraper la rocade. Rémi, prends pas la rocade, c'est un bouclier avec un gros carton. Là, je suis à Mérignac, je dois prendre la direction pour l'Aquitaine. Tu me déconseilles de prendre la rocade? Ah non, si tu prends dans l'Aquitaine, c'est bon, mais pour pas prendre dans le Pont d'Orsay, j'ai le Pont d'Orsay, si tu prends l'arrêt, c'est complètement bouclé. Ah la vache, ok, ben merci pour l'info, comme quoi, toi, la CB, ça sert à quelque chose. Ah chi, ça c'est placé, ça c'est dit. Ok, oui, on a papoté un petit moment ce matin. Voilà, là, je sors juste de stage, là, tu vois, là. Là, il est 1h20, là, je sors juste. On était en stage, là, justement, sur le transport de matières dangereuses et tout ce qui s'ensuit, quoi. Histoire d'être carré à ce niveau-là par rapport au site là où je vais. Je me suis douté qu'il y a quelque chose sur ça par rapport à ton trou, il n'y a pas de problème, je me doutais bien. Ouais, il n'y a pas de problème, c'est un matière dangereuse, j'ai compris de le suite, de quoi ça s'est activé. Eh oui, voilà, on doit être capable de pouvoir reconnaître les trucs et en cas de souci, savoir comment agir et quoi faire. Enfin oui, bon bref, ça veut dire la même chose. Eh ouais, voilà, donc première consigne, si une citerne brûle, on prend les jambes à son cou et on se sauve vite. Hachis trois coups. Ouais, mais ça, je crois que ça, c'est sans aller dans ce qui est régulier, pas de problème. Ça va, c'est la situation, la force du danger, je crois que c'est. Dis-moi, là, t'es coincé dans les bouchons avec, là, c'est ça? Non, 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 je suis au niveau du cimetière de l'Orient, on est en contact, là. Ok, donc ouais, ben, je vais partir à l'opposé de toi alors. Oh putain la vache, il y a de ces QRM là sur Mérignac. Là je suis en train de faire le tour du rond-point là, tac, pour attraper la rocade sens intérieur. Enfin bon bref. Voilà, je suis de ce côté-là, là, c'est complètement bouffé de QRM. À propos de QRM, tiens, justement, ce matin, je me suis rendu compte d'un truc. Il y a de plus en plus de véhicules qui sont éclairés, qui sont mis en LED et non plus en ampoule normale. Bon, ça, ok, c'est pas nouveau. Mais ce que j'avais pas fait gaffe, c'est que ces foutus LED à la con là, sur les voitures, putain, mais ça te parasite le poste. Hein. Parce que j'avais un mec devant moi. Bon, j'avais pas mal de parasites et tout ça, et dès qu'il appuyait sur la pédale de frein, j'avais plus de parasites. Je me suis dit, hein. Et dès qu'il relâchait la pédale de frein, hop, j'étais à nouveau parasité. Dès qu'il rappuyait sur la pédale de frein, j'avais plus de parasites. Et toi, c'était ça sans arrêt. Je me suis dit, putain, d'accord, j'ai compris. Quoi. C'est les foutus LED qui équipent les voitures qui nous parasitent en même temps. Ouais. Putain, il va falloir que tu pédales plus vite parce que là, je t'entends quasiment plus. Là, je t'ai deviné dans le lointain, là, c'est tout. Bon, bref, j'ai compris un mot, la prudence. Donc, tu dois être en train de passer QRT. Il n'y a pas de souci. Il est 20h13, 51 à toi. Bonne route à toi. La prudence également.
Comme quoi la CB, elle n'est pas que loisir, elle est très utile. Je serais passé par l'autre côté, mais ben, ça aurait été le mauvais plan. De novo, tá? Vi o outro, esse aqui também estava vendo. Ah, pronto. Bem, eu disse que é proibido fazer botões, mas também fizeram lá um colchão atrás, já que podia ser importante agora. É, tem que parar. Les 73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et côté circulation, de ce côté-ci, c'est tout cuiron. Oui, la station ? Waouh, j'ai pas mal de QRM là, de mon côté, là, c'est pas évident. Le 73, la station de la part de Dundee 33, j'ai entendu tout à l'heure du côté... j'ai la belette qui m'a dit là, du côté Bègle, par là-bas, là, que c'était bouché, hein, qu'il y avait une connerie. Par contre, côté pont d'Aquitaine, là, ça roule, c'est tout cuiron. Ah bah si t'as parlé, ça passe plus bien de mon côté. C'est popote derrière, c'est popote. Donc là, il y a du monde sur 19. Ils prennent pas forcément de micro, mais ils sont là. Hee hee hee.